What's up? J'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien. Aujourd'hui, séance immersion. Hier, j'étais à la salle, j'ai fait une séance full body. En immersion, j'ai posé la caméra, j'ai parlé, j'ai tout filmé et je vais te montrer ça. Je sais que c'est un format qui plaît et qui a plu les séances immersion. Là, on va continuer. On va refaire ça, on va faire plein de vidéos comme ça. Si le temps me le permet, c'est à la salle, il n'y a pas beaucoup de gens, je peux poser la caméra, parler et tout. Je vais le faire. Donc, dès maintenant, mets ton like, c'est important, mets ton commentaire. C'est vraiment important afin de savoir ce que je continue ou pas sur la chaîne, sachant que cette séance là normalement fin de la vidéo elle dure plus d'une heure, tu vois, mais là j'ai raccourci un peu. Si t'aimes vraiment bien, je te ferai des séances où je mettrai tout, toutes les conneries que j'ai quand je vanne les gens et tout, je mettrai, c'est important. Je te laisse avec la vidéo, je te souhaite un bon visionnage et à la prochaine pour la suite. Bon, développer littératie, très bon exercice. Assez dur, je le fais sans dossier sur le dos, tu peux en mettre, mais moi j'ai les lombaires solides. Le plus dur, c'est la transition que tu fais avec la barre. Celle-ci, on va balancer direct. 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9 et 10. Franchement, cet exo il fait mal. Il fait vraiment mal. Il fait mal. Avant, je pouvais mettre vraiment lourd. Je pouvais mettre 20, 20 chacs, 60 kilos, c'était bien. Et là, je sens que si je monte, je vais me faire mal, tu vois. Donc là, on est bien, on a 20, 30, 40, 40 kilos. On est bien, on est tranquille. 2. 3. 'Fait mal, hein. Vraiment, c'est vraiment mal. Là, on va partir sur un full body. Si tout se passe bien, j'ai une semaine compliquée avec le travail, l'intégration et tout. J'ai fait une grosse jambe dans la semaine qui m'avait fait mal, malheureusement. On va en reparler de toute façon. Et du coup, je suis pas beaucoup allé à la salle. Donc là, je suis un petit full body. On est dimanche. Rien n'est ouvert aujourd'hui à part les salles de sport. Donc, je suis bien, full body, je me mets bien. On va chercher la congestion, la contraction, tout. Et puis voilà. Hein. Et puis voilà, on va faire les choses bien. Parce que c'est important. 2. 3. 4. 5. 6. 7, 8, 9, 10. On va peut-être envoyer les pecs avec un peu de développé couché aux haltères. Essayer d'envoyer les 50 par bras tranquillement, histoire de bien me chauffer. Et après, bousiller le dos. Non, c'est bien échauffer les épaules. C'est bien. Ça ressort bien, peut-être un peu d'élévation latérale et après on balance. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, on est bien. On est bien. Là, je sens que la congestion commence à monter. Pas énorme. De toute façon, on va faire les bras, là, si ça se passe bien après. Tu vois, enfin, full body, on se met bien. Mais pareil pour les pecs. On va faire une petite échelle. On va commencer
à 20 peut-être, 20, 30, 40, 50. On va faire 10, 10, 10, tranquillement. Une série de chaque. Je vais pas me massacrer. Si je me massacrais, j'aurais fait quoi? J'aurais fait peut-être une série à 30, j'aurais commencé à 30 directement. J'aurais fait 40 et j'aurais fait 4 séries à 50 kilos. 4 séries direct. Mais là, comme on est tranquille dans le fun, dans un full body, je vais balancer, comme je t'ai dit, hein, 20, 30, 40, 50 tranquillement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, vas-y, encore 2, c'est léger. 9, 10, ça m'échauffe un peu. Oh. Bon, après, on va ramener les poids. Le truc, c'est que les poids, ils sont loin, donc je dois prendre. Je dois les ramener, après les rouler à partir de 40. Et puis voilà. Allez, c'est parti, on va passer à 30. Bon, les gars, il y a un PNJ qui utilisait les 30. Donc, j'ai pris les 34. Normalement, on est bien, hein, 34, tu vois. On va faire ça bien. 8, toujours. Tranquille. Et puis voilà, hein. Niveau temps de repos, je suis sur du 1 minute là. 1 minute, c'est rapide. Et à partir de là, on va passer sur 1:30. Ok? Allez. Hey. Toujours. C'est une séance lourde sans musique. Pas besoin de ça ici. Allez. Ouais. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6, 7, 8, ok. 34, très facile, très léger. On va poser ça et prendre des 40. J'ai ramené les 44 parce que j'ai pas trouvé les 40. En fait, moi, j'ai une règle. Les premiers que je vois, je les prends. Tu vois, c'est simple, je dois faire 40. Donc, entre 40 et 45, pour moi, c'est les mêmes poids. Donc, je regarde. Premier du trou, je prends direct. Et je le fais rouler. Bah là, tu vois, derrière moi, là, il y a le mec qui font. Qui s'entraîne là. Bah les poids, ils sont là, tu vois. Donc, je vais les prendre de là-bas, les faire rouler et tout. C'est relou. Donc, 44. C'est tranquille. Si c'est facile, easy. Les 50, je les fais en reste-pause. Tranquillement. Avec une seconde vers le bas. 40, je vais les faire tranquillement. On va aller, toujours, pour ceux qui ont des problèmes avec moi, une ou deux gorgées, pas plus, c'est important. Allons, on y va. 44. Franchement, grâce au collagène et tout, je prends plus de bandes pour les poignets, je prends plus rien. Je suis bien, je m'échauffe bien aussi. Et franchement, ça m'a aidé grandement à ne plus avoir mal au poignet. Et aussi à bosser mes avant-bras. Parce que c'est important. J'ai une bonne poigne maintenant. On y va. 8 reps. Ça commence à être lourd là. Vraiment là, je le sens. Allez. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6, 7, 8. Là, je le sentis, là. Celle-ci, je le sentis. Je pense qu'il n'y aura pas de reste-pause pour les 50. Hein. Ah, il n'y aura pas de reste-pause. Ah là, ça m'a fait mal. Surtout, je sens la congestion venir. Même si que là je fais des pecs, je sens que mes biceps, mes épaules, mes triceps ils prennent, c'est incroyable. Bon, on va partir sur 2 minutes de repos là. Et je ramène les 50. Ça, on fait ça bien. Le bro qui bosse à la salle m'a aidé à ramener les 50. Mais je vais pas partir maintenant. Je vais dire un truc important parce que il y a beaucoup de séances pecs qui se font comme ça. Qui se font en escalier, dans le sens où tu vas commencer avec 20, 30, 40, 50, ou alors
Tu vas commencer avec 10, 15, 20. Tu vas pas se serrer comme ça. C'est pas bon, tu vois. C'est pas bon. Parce que le truc, c'est que là, tu bosses en escalier. C'est bien pour la force. Mais quand tu gagnes du volume, tu vois, en prise de masse, c'est pas bon. C'est-à-dire que moi, comme je disais tout à l'heure, je m'échauffe bien. Et pour faire mes 4 séries à 50, je vais pas me fatiguer à faire tout ça, là, tu vois. Je commence à 30, 40, échauffement. Et après, directement 4 séries à 50, comme ça, je suis bien, ok. Donc, bosse en escalier. Quand tu fais comme moi, un full body et tout, un seul exercice, c'est bien. Mais pour ta vraie séance pec, ou ta vraie séance dos, ou ta vraie séance avec ton muscle, tu vois, c'est pas intéressant, ok. Ça, après, ils vont dire, j'arrive pas à prendre des pecs et tout, nan, nan. C'est pour ça, les gars. Entraînez-vous intelligemment, c'est important. Dans tous les cas, on va faire des programmes pecs sur ma chaîne secondaire et tout. Dame Jordan Training, tu vas voir. J'ai fait plein de programmes, mais je vais en faire d'autres, des meilleurs et tout. Et tu vas kiffer. D'ailleurs, les nouveaux programmes sur ma chaîne secondaire, je vais en faire plein dans cette salle. J'espère que tu vas kiffer, que la qualité sera au rendez-vous. Et puis voilà. C'est parti. 50. On va faire ça bien. J'essaie de faire 10 reps. Même si que 8, c'est bien, c'est top. Mais 10 reps, c'est mieux. On va essayer. Mais pas moins de 8. Si je fais moins de 8, on va repartir. Parce que je peux pas faire moins de 8. À part si je me blesse. Il n'y a pas de manque de force ici. C'est parti. Pas d'assistance, pas de musique, rien. Oh. Allez. Là, je sens que je suis pas assez stable. L'épaule, il bouge, il tremble. C'est pas une raison. Bien se concentrer. Tu sais que tu as une charge lourde qui blesse et qui a blessé pas mal de monde. Juste se concentrer, visualiser un point. Pensez à rien. Et tu fais ta série. Allez. Petite note, on va essayer de pas faire de bruit. Pas faire comme les gens qui se lèvent lourd et qui crient dans la salle. On va la faire en silence, on va compter tranquillement. Allez, c'est parti. Allez, 1. 2. 3, on descend bien. 4. 5. 6. 7. Allez, comment ? 8. 9, dernière. 10, ok. Oh, putain. Fait mal. Elle fait vraiment mal, celle-là. Oh. Pec, validé. On est bien. Je vais rebalancer 30 reps en évasion latérale. Et je pense qu'on va partir sur du rowing et tout pour le dos. Ah ouais les gars, comme j'ai dit, full body, on va faire ça bien. Bientôt remplir ma gourde. Congestion, elle est là, elle est bien. On va balancer 30 reps, comme on a dit, élévation latérale. Et passer au dos. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, comment, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok. Oh, on est bien. Si tu demandes pourquoi je fais 30 reps, c'est parce qu'au niveau de... Enfin, à partir de 22 reps, je commence à sentir la congestion, je commence à sentir la douleur. Et c'est la bonne douleur, tu vois, c'est la douleur qui fait du bien. Donc j'ai jusqu'à 30. 30, c'est un peu mon échec. Comme ça, je suis tranquille, je sens que je travaille efficacement mes épaules. Sachant que les épaules,
tous les exos très lourds aux épaules, je peux pas les faire. Parce que j'ai des douleurs vite, tu vois. Et c'est des douleurs osseuses, articulaires et dérangeantes. Donc, je temporise ça avec des exos légers à série longue. Sauf que mes épaules, elles sont pas mauvaises, elles sont bonnes, tu vois. Mais je les bosse quand même. Série longue pour être bien, avoir la congestion et un minimum de volume et de traçage, tu vois. Parce que c'est important. Bon. On va prendre la barre qu'on avait tout à l'heure et taper du rowing. Tranquillement. C'est parti, c'est parti. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. On va monter, c'est trop léger. Le plus important, c'est de garder un mouvement bien droit. On voit un dos droit. Bien faire son mouvement, c'est important. Comme on a dit, le soulevé de terre. Hop, on y va. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. C'est léger encore. Est-ce que je me sens? Les gars, est-ce que je me sens, les gars? Je vais mettre 80 kilos. On va voir. Parce que 100, c'est lourd. Et les gars, je sais ce que c'est un rowing à 100 kilos. C'est lourd, les gars. On va mettre 80 kilos. C'est la troisième série, là. Allez. Comment? Fais ça bien. Ouais. Soulever de terre, comme on a dit. Allez. 7, 8. On va mettre 100, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, j'ai compris. J'ai pris ce que mon corps voulait. On met 100 pour la dernière. Bon, je l'avais prévu avec la fatigue. Je vais prendre un petit énergie gel, tranquillement. Pour être bien. Là, je fais que du lourd. On a fait pec, lourd, épaule. Au début, pour moi, c'était lourd ce qu'on a fait. Pec, on fait dos, 100 kilos. Dommage, taf. Donc, énergie gel disponible avec le code d'âme sur MyProtein, c'est important. On va ajouter ça après. Et faire. Hop. Notre serre à 100 kilos. Allez. Comme on a dit, pas là pour faire du bruit. Pas là pour impressionner les gens. On est là pour valider nos reps. Ouais. Come on. C'est lourd ça. 2, 3, 6 reps. Je peux pas faire 8 reps, c'est mort, c'est trop lourd les gars. 6 reps. Pour les biceps, j'ai pris la barre Z. On va se faire un 10-10-10, ok. Bon, là, pour les biceps, j'ai pris une barre Z. J'ai mis 10 kilos de chaque. En plus, j'ai mis les poids verts, là. Les poids de danseuse. On va se faire un 10-10-10. 10 reps large, 10 reps normal, 10 reps serré. Je vais peut-être pas aller au bout. Dans le sens où je vais peut-être faire 5 reps, je vais poser, finir. Mais on va essayer de faire ça bien, tranquillement, vers la fin. Parce que le problème, c'est que j'ai perdu en endurance musculaire au niveau des biceps, comme je l'ai fait moins souvent qu'avant. Mais le plus important, c'est de valider ça. Ok ?
Allez, c'est parti. Large. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai pris des poids verts, comme ça fait des gros poids. J'aime bien. Ça fait impressionnant. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Serré maintenant, serré. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pour les biceps, je vais faire 3 séries, pas 4. 3 c'est largement suffisant. Je congestionne trop vite au niveau des biceps, vraiment trop vite. Après ça m'handicap pour tout le reste, tu vois. Donc là, 3 séries c'est bien. Après on va faire les jambes après. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, super. Largeur des épaules. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Serré maintenant. Serré. Allez, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, 8, 9, et 10. Franchement, ça fait super mal. Ça fait super mal. Très important dans cette série-là, quand tu changes d'angle de position, pose là-bas. Pour pas te blesser. Parce que quand tu changes comme ça en équilibre, tu peux te blesser aux épaules, tu peux te faire mal au poignet. C'est pas bon. Donc pose les poids. Ok? On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! J'ai mal de fou. Vraiment mal de fou. Largeur, épaule. Parti. 1, 2, 3, 4, ça tire. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Oh. Franchement, la congestion, comment elle fait mal. Elle est désagréable. Serré maintenant. Je sais pas si je réussirai à en faire 10 d'un coup. Mais il faut qu'on valide. Là, serré. Dernière. Ça bien. Allez. Comment ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh. Oh, je me suis un peu aidé du dos, je ne cache pas. Un peu fait des mouvements de balancer, mais peut-être pas le choix. Ça fait mal, les gars. Je vais faire du squat, les gars. Je vais faire du squat. Je suis pas trop. Content de ça parce que j'ai un peu mal au genou, tu vois. Je sais pas ce que ça va donner. On va pas mettre lourd. Essayer de faire ça bien. Et puis voilà. Ça fait un temps, j'en ai pas fait en plus. Depuis que je suis venu sur Saint-Etienne, j'ai pas fait de squat à la barre.
J'ai fait que du goblet squat et tout. Mais pas de squat à la barre. Donc, on va voir ça. Hein. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si on va bien me voir. Mais bon. Première série, 60 kg de chaque côté. Je vais voir que les accroches sont bien mises. C'est parti. Allez, 8 reps. 1. 2. 3. Allez. 4. Allez. 5. 6. 7. 8. Ah, j'ai mal. Pas mal au genou. Hein. J'ai pas mal au genou. Mais le mouvement, il me fait mal. Il me fait mal comme s'il me faisait... Enfin, en fait, c'est toujours la bonne douleur. La bonne douleur de musculation, mais qui fait mal quand même, tu vois. Toute la séance, c'était bien. C'était facile. Là, c'est plus facile. 1. 2. 3. 4. Allez. 5. 6. Encore 2. 7. Last one. 8. Ok. Parfait. Ouais les gars, ça fait mal. C'est vraiment mal. Y a rien en plus sur la barre. 60 kg, c'est rien. On va faire une dernière. 3 séries, c'est largement suffisant. Largement. Sachant que j'ai 200 jambes qui vont venir, une séance spéciale quad et une séance spéciale ischio. Allez. Il y a beaucoup de gens quand ils font leur squat, ils poussent avec leur talon devant là. Tu vois, ils se mettent sur la pointe des pieds. Enfin, c'est pas le talon c'est derrière. Enfin, faut pousser avec le talon, mais ils se poussent sur la pointe des pieds. Or qu'il faut pousser avec le talon, tu vois, juste derrière, bam, pied stable. C'est vrai qu'il y en a qui se mettent pieds nus, parce qu'ils ont plus de stabilité. On va faire la dernière, faire ça bien. C'est parti, 8. Pour l'instant, le genou, ça va, ok? Mais il en reste une dernière, c'est parti. 1. Regarde, je suis bien dans le cadre. Parfait, on y va. 1, 2, 3, 4, allez, 5, ouais, 6, allez, 7, last, 8, ok, très bien. Je vais souffler un peu, enlever les poids et donner la barre à la personne qui m'a demandé la barre. C'est parti. Le meilleur exocardio HIIT Battle Europe que je peux faire ici. Sinon, c'est l'assaut bike. Mais ici, il n'y a pas d'assaut bike. Ok. Donc, on va se faire des reps. Essayer de faire 3 ou 4 séries à l'échec. Ok. C'est sûr qu'on va se donner à fond. Et si j'en peux plus, je lâche la corde. Il n'y a pas de 30 secondes de... Non, c'est comme un sprint, en fait. Faire ça bien. Allez, c'est parti. Allez.
corde s'est enlevée carrément. Trop de puissance. C'est incroyable. Deuxième série. Là, je vais pas faire avec les deux mains comme ça directement parce que ça retire la corde. C'est pas grave. Ce sera beaucoup plus fatigant de le faire traditionnellement, mais bon. C'est pas un souci. Allez. Fatigant, beaucoup plus fatigant. Allez, c'est parti. Allez, ça suffit, c'est bon. Oh, je suis mort. Vraiment. Je suis mort, pour de vrai. Oh. C'était un petit full body cool. Mais au moins, on a validé ça. Maintenant, côté pour les réseaux, hein, tranquillement. La suite, ce sera pour Instagram. Oh.